Very important information. The president of the Republic of Cameroon, Paul Barthélemy Biya Bivondo, left the country yesterday with the wife Chantal Puchery Biya. Destination Paris, France, where they arrived and they were received by Cameroon dignitaries abroad. And we have some cliches of Paul Biya leaving Cameroon, and he was accompanied to the airport by Joseph John Goute, the Prime Minister, head of government. And we also saw a picture of the Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. Donc, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et son épouse, Madame Chantal Biya, déjà présent en France pour la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Il faut dire que c'est une forte délégation que le Cameroun a de ce côté-là. Je veux dire forte délégation, bien sûr, derrière le président. Oui, heureusement que tu as corrigé parce que je pensais que tu parlais des athlètes. Non, non, sont du tout. Partis. Derrière le président. Parce que c'est maigre. Oui, ça c'est clair. En termes d'athlètes, c'est... En termes de sportifs, vraiment, c'est insignifiant. Oui, mais en termes de délégation qui accompagne... Le président. Non, pas le président cette fois-ci. Non, accompagner les athlètes. Oui, voilà, ça aussi, c'est costaud. C'est une forte délégation. On parle de 35 personnes. Voilà, pour accompagner moins de 10 athlètes. Oui, 6. Eh bien, ce qu'il faut dire qu'à ce sujet, je veux dire, par rapport au déplacement du chef de l'État, on a le ministre des Sports, monsieur... Narcisse Mouelekombi. Le professeur Narcisse Mouelekombi qui a fait un communiqué. Communiqué de presse à l'invitation de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et de M. Thomas Bach, président du Comité international olympique. Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté Yaoundé ce jour, c'est-à-dire hier, en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris le vendredi 26 juillet 2024. À l'occasion de ce voyage, la suite officielle du chef de l'État est composée des personnalités ci-après. Monsieur le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures. Monsieur Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Monsieur Paul Elung Che, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Monsieur Mounouna Foutou, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. Monsieur Narcisse Mouelekombi, ministre des sports et de l'éducation physique. Contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, Monsieur André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et Monsieur Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Voilà, donc le document a été signé par Samuel Mvondo Ayolo, le DCC. Qu'on a vu, hein, très proche au président de la République, parce que c'est le DCC, c'est le directeur du cabinet civil. Donc, il était très proche au président de la République. On a vu ces images-là, elle est arrivée en France. Et on est clair là-dessus que le président a été invité par Thomas Bach, qui est le président du Comité international olympique allemand de nationalité. Et le président français Emmanuel Macron, ça c'est l'information que nous avons eue. Donc, on va regarder les images de l'ouverture et la présence certainement des autres chef d'État et chef de gouvernement pour l'ouverture de ces Jeux Olympiques Paris 2024. 24.